sur Dracolab, le laboratoire de Dracona. Alors aujourd'hui, dans cette troisième vidéo pour apprendre Symfony, on va parler de Twig, le moteur de template qui est lié à Symfony. Alors évidemment, dans un premier temps, ce qu'il va nous falloir faire, c'est définir un peu qu'est-ce que c'est un moteur de template, qu'est-ce que c'est un template, qu'est-ce que c'est Twig, etc. Donc on va d'abord commencer par des petites définitions, et ensuite on verra comment créer des templates. Grosso modo, pour faire très court, un template, c'est un fichier qui va nous servir à construire notre affichage. Ça peut être du HTML, du JSON, du XML. Voilà, en gros, ça va être affiché du texte, pour faire très simple. Voilà, donc on va voir comment on crée des templates. Twig présente également une syntaxe un peu spéciale. J'ai mis quelques exemples de bizarreries qu'on va voir dans Twig, mais grosso modo, il y a toute une syntaxe qui va nous permettre d'afficher des éléments, de faire éventuellement des calculs, des conditions, des boucles, ce genre de choses. Également de traiter des chaînes de caractères et on va faire, on va pouvoir faire appel à des fonctions. Ensuite on va aller voir différents points particuliers. Le but c'est pas de voir tout Twig, mais de voir des éléments qui sont utiles au quotidien. Voilà, ceux que vous allez voir normalement le plus. Après il y en a plein d'autres, on fera un petit tour de la doc de Twig au fur et à mesure pour voir un petit peu ce qu'elle présente. Vous allez voir qu'il est très riche en possibilités. Et s'il y a des choses qui vous manquent, sachez que vous pouvez créer des, ce qu'on appelle des extensions Twig, c'est-à-dire vos propres fonctions ou vos propres filtres, les éléments avec la barre verticale j'en reparlerai le moment venu, vous allez pouvoir créer les éléments qui pourraient vous manquer. Mais déjà dans un premier temps, définition. Qu'est-ce que c'est déjà un template Donc comme je le mentionnais, un template, c'est simplement un fichier qui va nous permettre d'afficher quelque chose. Le but du template, à la fin, c'est de nous afficher un texte. Que ce soit un format comme le JSON, que ce soit du HTML, ce qu'on va faire de manière la plus courante, du XML, un texte brut, peu importe. Le but du template, c'est qu'il va nous permettre d'ajouter de la logique à notre texte. Donc par exemple, pouvoir mettre des conditions, euh, lui envoyer des variables, des choses comme ça. Et vraiment, un but un, le but d'un template en général, c'est de rendre un texte à la fin, mais de compiler ce texte à partir de ce qu'on a dans notre code, de ce qu'on lui, en, qu lui envoie comme code, le transformer pour faire un affichage. Voilà, voilà. pour faire simple, un template, grosso modo, c'est un texte construit à partir d'un code. Un moteur de template, comme vous pouvez vous en douter, c'est ce qui va prendre à la fois le code avec les variables, les choses comme ça qu'on veut transmettre, le euh, template, et le transformer en notre affichage. Voilà, donc le moteur de template, son boulot, il prend tout le contexte dont il a besoin, le template qu'on lui donne, et à la fin, il nous construit un texte, un affichage souvent, voilà, on va dire un affichage. Ce sera le plus simple. Donc Twig, c'est un moteur de template parmi d'autres. Il y en a d'autres qui existent que vous pourriez même utiliser dans votre Symfony, puisque Twig, c'est celui par défaut. Vu qu'il est lié à Symfony, il y a plein de choses euh, pratiques avec Twig. Mais sachez qu'il y en a d'autres, comme par exemple Smarty, qui existe depuis sacrément longtemps, personnellement j'ai commencé avec lui, euh, qui a une syntaxe légèrement différente, enfin assez différente, et qui vous permet euh, également de faire des templates pour vos sites en PHP. Euh, vous en avez d'autres euh, qui font par exemple en JavaScript, des templates, des choses comme ça. Il euh, y a Jinja en... pour le Python, si je ne dis pas de bêtises, utilisé par le framework Django, que je vous recommande. Si jamais vous comprenez Symfony, Django, ça ira vite, qui sont euh, qui existent également. Donc des moteurs de template, en fait, il y en a plein. Il y en a plusieurs par langage qui font du web en général, et probablement qu'il y en a d'autres pour du logiciel, mais là, n'y risque pas. Donc l'idée c'est que on va choisir un moteur de template, Twig, je suis par défaut avec Symfony, quoi. Et on va construire nos templates. Donc maintenant qu'on a la logique, comment on crée nos templates En fait, dans un projet Symfony, on a un dossier qui s'appelle Templates. Jusqu'ici, ça va. Qui va nous permettre de les ranger. Euh, à l'intérieur de ce dossier, on va avoir un ensemble de fichiers qui vont se terminer par .html ou quelque chose comme ça, .twig. C'est donc des fichiers qui sont spécifiques à Twig. Et voilà, qui vont devoir être interprétés par Twig. Quand je dis interpréter, euh, je vais dire interpréter, compiler, disons, qui vont devoir être lus par Twig pour être rendus sous la forme d'un affichage. Donc le but, c'est de passer du fichier Twig à un fichier, par exemple, HTML. Donc du coup, on va avoir quelque chose, .html.twig, pour un fichier qui doit être compilé comme du HTML. Donc vous allez voir que niveau rangement, c'est relativement simple. C'est rangé dans le dossier template. Vous voyez que de base, là, en créant mes contrôleurs, euh, j'en avais déjà de créer. Donc là, pour prendre un exemple, dans le projet de blog, j'ai déjà un dossier template avec des templates à l'intérieur. Vous voyez que j'ai un dossier article, un dossier page, avec à chaque fois un index.html.twig. Voilà, donc c'est des fichiers de template. Je peux en créer autant que je veux, les ranger comme je veux. C'est simplement que quand je vais vouloir les appeler, ça va souvent se passer dans le contrôleur ou dans un service. Où, voilà, on y reviendra un petit peu. Mais dans tous les cas, je vais devoir faire appel à Twig pour l'afficher. Voilà, donc souvent on va les appeler depuis les contrôleurs, les templates. Ça peut changer. On en rediscutera un peu plus tard. Mais dans un premier temps, dans le cas de base, on va pouvoir les appeler depuis nos contrôleurs, grâce à la méthode render de notre contrôleur, qui va nous permettre d'aller chercher un fichier de template et de lui passer des paramètres. Je vais y revenir plus longuement un peu plus tard. Là, on lui dit va me chercher la, le, dans le dossier article du dossier template, celui-là, va me chercher le fichier index.html.twig. Lui, il voit ça et il se dit « Ok, il faut que j'interprète ça, ça va être un HTML à la fin. » Il fait sa petite moulinette et à la fin on a notre HTML. En tout cas, voilà pour le principe. Comme je le disais, on peut transmettre des données au template. Si je vous remontre, ici par exemple, je transmets une variable qui s'appellera « Controller underscore name » dans le template et qui va prendre la valeur « ArticleController ». Disons que je pourrais avoir une variable « truc » qui a comme valeur « machin ». Je pourrais dire à mon contrôleur « Je vais te transmettre » une variable truc qui va contenir la valeur de ma variable truc à gauche dans le template, à droite de la flèche, la valeur concrète qui va prendre. Souvent, les variables s'appellent pareil. Euh, ici, par exemple, je pourrais décider finalement de l'appeler machin, ouais, peu importe. Et juste pour l'exemple, le fait que euh, ici, c'est le nom que vous allez retrouver dans le template. Là, c'est le nom que vous avez dans votre contrôleur. Ils peuvent correspondre ou pas. Peu importe, le tout, c'est que quand vous allez vous, dans votre template vouloir utiliser la valeur qui est contenue dans machin, vous allez devoir appeler une variable qui s'appelle truc. A vous de voir pour que ce soit le plus clair possible, le nommage, c'est toujours un truc compliqué. Moi, en général, j'essaye de faire en sorte que ça s'appelle pareil. Comme ça, je m'y repère plus vite. Mais voilà, on est obligé de passer par ce tableau en deuxième paramètre de la méthode render pour lui donner des paramètres. Donc, transmettre des informations à la vue qu'elle pourra exploiter. Si par exemple mon dollar truc c'est un objet qui contient des sous données etc, je vais pouvoir m'en servir. J'ai une manière de lire les objets, euh, d'appeler les getters, d'appeler euh, directement les propriétés éventuellement si elles sont publiques, des choses comme ça. On en reparle juste après quand on voit la structure d'un fichier Twig. En tout cas, vous voyez que vous pouvez transmettre des informations, lui dire quel fichier précisément vous voulez euh, les rendre. Vous voulez euh, compiler je vais dire rendre parce que c'est le plus proche du thème render voilà quel fichier vous voulez rendre sous forme de html du coup ici et avec quel euh, paramètres dont il va avoir besoin pour travailler comment je range mes templates personnellement ce que je fais c'est que dans mon dossier template et le comportement par défaut de symfony quand vous créez un contrôleur il va vous créer un template index.html.twig dans un dossier qui porte le même nom que le contrôleur donc moi j'ai tendance à garder cette méthode-là, le nom de mon template va être également le même nom que mon action. Donc, si je reviens aussi sur ce que j'ai dit sur les contrôleurs, personnellement, j'ai le nom de la route, le nom de la méthode, le nom du template, qui sont identiques ou similaires. Les noms de dossiers et les noms de templates, nous, on les écrit avec des underscores. Donc, on les met en euh, snake case, si je ne me trompe pas dans le nom. Donc, si par exemple, ici, j'avais une méthode showArt. Article, je vais arriver à taper, promis. Ici, j'appellerai normalement un show underscore article. Voilà, je mettrai un underscore et plus en camel case, je passerai en snack case pour l'écrire. Vous voyez que ça va toujours aller dans le dossier article. Là d'ailleurs, PHP Store mais sympa, il me propose de le créer pour moi. Je clique là-dessus. J'ai mon template qui est créé. Voilà, c'est très pratique. showarticle.html.twig. Je vais revenir sur cette syntaxe dans un instant. Alors la syntaxe de Twig est un petit peu particulière, en tout cas au début, il faut un peu la, la comprendre, c'est que vous savez un ensemble d'éléments de langage qui vont vous permettre d'afficher des éléments, de faire des calculs ou de transformer d'autres éléments. Grosso modo, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces deux paires d'accolades, je vais appeler régulièrement des moustaches, parce que je trouve ça rigolo d'appeler ça, ça des moustaches, euh, ces moustaches, elles vont nous permettre d'afficher ce qu'il y a à l'intérieur. Normalement, vous devez avoir une chaîne de caractères à la fin. Si vous mettez un objet à l'intérieur de ces moustaches, il va falloir soit qu'il ait une méthode toString, soit vous allez avoir une erreur potentiellement euh, à l'affichage pour vous dire je ne peux pas convertir un objet en chaîne de caractères. Voilà le but de ces moustaches, c'est d'afficher une chaîne de caractères. Quelles que soient les fonctions appelées dedans, etc. À la fin, ça fait un bon vieux écho de PHP. Ensuite, vous avez les tags qui vont vous permettre de faire des calculs. Ça peut être des conditions, ça peut être des boucles, ça peut être définir une variable dans le template, ça peut être pas mal de trucs. On va voir un petit peu dans la doc de, de Twig. Il euh, y a pas mal de choses qui peuvent être utiles. Ensuite, vous avez de quoi traiter une donnée avec une barre verticale. On va appeler ça des filtres. Les filtres, ils viennent faire quelque chose sur ce qui est à gauche. À droite, vous avez un nom de fonction. Donc on va en voir deux, trois, histoire que ce soit un peu plus clair, mais euh, un filtre il vient s'appliquer sur ce qui est à gauche et appeler la fonction qui est à droite. Pour par exemple convertir une date en chaîne de caractères. J'ai un objet dateTime de PHP, je veux une chaîne de caractères. je vais lui dire comment la formater. C'est un exemple, vous allez voir qu'il est assez, assez courant, assez utile. Et vous avez plein de fonctions. Qui elle s'appelle sans artifice. Au départ, il y a juste le nom de la fonction, des parenthèses, d'éventuels paramètres. C'est une fonction comme vous en avez l'habitude. Pour faire un petit tour dans la documentation de Twig, euh, je suis allé simplement à la page Docs, juste que vous avez la même chose que moi, pour voir la liste des tags, des filtres, des fonctions, des tests des opérateurs disponibles. Il, y a, il a ses propres tests pour les conditions, il a ses propres opérateurs qui vont lui permettre de faire des comparaisons, des choses comme ça, ou des assignations et tout, euh, les classiques de tout langage de programmation. Tout est défini. Vous avez également quelques éléments qui sont spécifiques à Symfony du coup Symfony, il euh, y a plein de choses que vous voulez faire dans les vues en fait. Par exemple, vérifier si est-ce que mon utilisateur il est connecté, ça c'est spécifique à Symfony. Est-ce que j'ai le droit d'accéder à un dossier Je vois ça parce que je vois la, la fonction isGranted, qui va pas mal nous servir quand on parlera de sécurité dans Symfony, un peu plus tard. Euh, cette fonction par exemple va me permettre de dire est-ce que mon utilisateur est connecté et est-ce qu'il a le droit de faire ça Est-ce que j'ai le droit de lui afficher ce bouton par exemple pour aller vers la page d'administration voilà. Est-ce qu'il a les droits de voir la page d'administration Si oui, je lui affiche. Sinon, par exemple, je lui affiche le bouton de connexion. Voilà, peu importe. Mais vous voyez qu'il y a des éléments qui sont spécifiques à Symfony. Je vais en parler de manière euh, assez indifférenciée, parce que nous, on parle de Twig dans Symfony. Voilà, soyez pas surpris. Euh, je vais mélanger un petit peu les différentes parties de la doc, qu'elles soient de Symfony ou non. Donc, par exemple, comme tag, qu'est-ce qu'on a des tags courants, vous avez le if, le for. Je vais faire if, for et set déjà. Donc le if qui va nous permettre de faire des conditions, comme on a l'habitude en euh, PHP. Donc je peux regarder si, euh, par exemple, online vaut false. Attention, ou un équivalent de false. Là, on est sur un double égal qui est strictement identique au double égal de PHP. Ça veut dire qu'il va regarder si c'est une valeur qui est falsy. Qui peut, être, qui peut être interprété comme faux. Donc ça veut dire false, ça veut dire zéro. Euh, il me semble que ça veut dire une chaîne de caractères vide, mais j'ai toujours un doute pour celle-là, donc on va dire euh, que non. Euh, voilà, il y a différents trucs. En tout cas, est-ce que online est équivalent à false vous, Si jamais vous voulez un triple égal, c'est pas le triple égal en Twix, sinon ça serait beaucoup trop facile. Mais du coup, vous avez différents moyens de faire des conditions. Vous avez le mot-clé note, qui est équivalent au point d'exclamation dans un if en PHP. Notez qu'il n'y a pas les parenthèses également, voilà. Il y a plein de petits trucs qui changent comme ça. On s'y fait. Vous pouvez faire des comparaisons avec des supérieurs, inférieurs, supérieurs ou égales, etc. Vous avez différents éléments. Le but, c'est que dans votre if, ici, vous ayez quelque chose qui renvoie un, un boulet à la fin, ou qui peut être interprété comme un boulet. Donc le if, relativement classique, il se met entre, dans un tag, c'est un tag, le if, qui va vous permettre de euh, le délimiter. Qui commence par le mot if, et une fois que vous avez fini votre condition, vous allez avoir un end if. Si vous voulez un else, il y a un else. Il y a aussi un else if. Voilà, donc vous pouvez faire des if, else if, else. Le but, c'est que vous ayez un end if à la fin, pour dire, voilà, ma condition est terminée. Euh, voilà, bien clore l'élément. C'est un peu équivalent à la collade fermante du if, quoi. Sauf que là, on le dit clairement, c'est la fin du if. Même chose, grosso modo, pour le for, sauf qu'il va se comporter. À peu près comme un for each de PHP, mais pas dans le même ordre. Il est plus proche du for in de JavaScript, même si c'est encore autre chose. Bref, j'essaye de vous donner des liens, mais euh, vous mélangez pas à ma place. Le, donc c'est toujours un tag, le for. Je regardais que des tags hein, pour le moment, donc tout va bien. Vous avez votre for. Là, vous avez la représentation d'une ligne. Donc là, par exemple, je vais chercher dans, mon, dans, une, dans un tableau de users. J'imagine des utilisateurs qui vont avoir un nom d'utilisateur. Voilà. Je vais aller chercher les users dans le tableau d'utilisateurs. Vous avez ce mot-clé in qui est important. qui va séparer la représentation d'une ligne avec le tableau. Simplement. Donc ça veut dire que ici, je vais avoir mon... la lecture d'une ligne. Donc là, je vais récupérer un utilisateur qui se trouve normalement dans mon tableau. Voilà, vous avez différentes syntaxes qui sont possibles. Moi, je voulais vous montrer d'abord les clés. Voilà, si jamais je veux récupérer les clés et valeurs comme dans un forage, par exemple, ça va être le nom de la clé, virgule, la valeur. Toujours avec le in, mon élément. Ça, ça peut être utile. Vous voyez également, là, la doc nous précise qu'on peut jouer un petit peu euh, aux apprentis sorciers, j'ai envie de dire et lui dire de euh, aller de 0 à 10 par exemple ici, en séparant les deux nombres par point et points, par deux points l'un après l'autre. J'ose pas dire juste deux points qui sont horizontaux. Mais voilà, donc du coup vous pouvez dire euh, créez-moi un tableau à partir de ça, à partir de 0 jusqu'à 10. C'est euh, Twig et PHP derrière qui va se débrouiller pour créer un tableau avec ça. Vous avez la même chose pour les lettres pour aller de A jusqu'à Z. Notez également que vous pouvez, si jamais vous voulez faire parcourir les lettres en majuscules, vous avez un filtre, Upper, premier exemple de filtre, on y est bien, qui va vous permettre de transformer une chaîne de caractères, ici mon A, en une chaîne de caractères en majuscule. Pareil pour le Z. Voilà. Je vais revenir après sur les filtres et quelques exemples. Mais voilà, vous avez quelques petits filtres qui peuvent être utiles. Ensuite, vous avez une variable qui est un peu particulière, qui est définie dans les boucles, qui est la variable loop. Cette variable, elle va contenir différentes informations sur votre parcours de la boucle. Ça peut être assez pratique. Par exemple, vous pouvez récupérer où vous en êtes dans la boucle. Soit indexé en 1, soit indexé en 0. Normalement, en PHP, les tableaux sont indexés en 0. Mais si vous récupérez loop.index, vous récupérez à partir de 1. Le premier élément, il sera forcément à 1. Et là, attention, ce n'est pas la clé. C'est vraiment à quelle itération de la boucle vous en êtes. Est-ce que vous en êtes à la première, la deuxième, la troisième, etc. Il faut s'y habituer. Vous avez également le rêve index, qui est le nombre d'itérations depuis la fin de la boucle. À combien, euh, combien il vous en reste, en fait, dans la boucle Soit c'est en 1, soit en 0. Donc c'est vraiment un index. Hein. C'est là où c'est fourbe. Je m'en sers quasiment jamais de celui-là parce que je me mélange les pinceaux systématiquement sur ce qu'il veut dire. Mais voilà, c'est le nombre d'itérations depuis la fin de la boucle. Alors on le testera, on regardera un peu ce qu'il fait euh, concrètement pour être sûr de ce qu'il donne. Vous avez surtout, moi les deux qui m'intéressent de méthode dans cette variable loop, c'est first et last. First me permet de savoir est-ce que je suis à la première itération de ma boucle et last, est-ce que je suis à la dernière. Ça peut être utile, par exemple si vous mettez euh, des... vous affichez un tableau et que vous mettez une virgule entre chaque élément vous n'en voulez pas une à la fin, vous pouvez mettre un if si je ne suis pas à la dernière itération de ma boucle je mets une virgule sinon je la mets pas euh, Loop.length, combien il y a d'éléments dans mon tableau par exemple ici de users je peux récupérer l'information dans ma boucle à combien il y a d'éléments au total et où j'en suis par exemple si jamais vous voulez dire je fais mes nombres de 0 à 10 je suis à l'élément 0 sur 11 je vais pouvoir l'afficher avec loop index 0 et loop.length. voilà qui va me permettre de me faire me construire ma chaîne de caractères. Euh, Loop.parent. Vous avouez que je crois que je ne m'en suis jamais servi. Donc euh, on regardera pareil ce qu'il fait. Tac, tac, tac. Vous pouvez même faire une boucle for, else, and for. Dire voilà ce qui se passe pour chacune de mes lignes. Et si j'ai rien dans mon tableau, je vais afficher ça. Ensuite, je voulais vous montrer le filtre set, qui vous permet de définir une variable au sein de votre template. Donc ça peut être n'importe quel type de variable. Attention, il y a des trucs chelous. Euh, mais voilà. Donc, ça peut être n'importe quelle expression Twig qu'on peut mettre à l'intérieur. Donc, ce qui est défini comme une expression Twig, ça peut être assez large, mais de toute façon, c'est quelque chose qui sera potentiellement affichable derrière, ou une variable, ou un, un truc. Les expressions, ça peut être des littéraux, c'est-à-dire des chaînes de caractères, des entités flottantes, des tableaux, des tableaux associatifs, ça peut être des expressions mathématiques, ça peut être de la logique, ça peut être tout plein de trucs. Tout ça, vous pouvez l'écrire. À droite de votre assignation dans votre set. Voilà, donc peu importe, vous pouvez faire tous les calculs que vous voulez, vous, vous mettez ça dans une variable comme d'ab, et euh, vous pouvez le renvoyer. Après, vous pouvez vous servir pardon de cette variable pour une condition, pour autre chose. Là où c'est particulier, c'est que dans votre set, vous pouvez mettre un HTML dedans. Vous pouvez faire un morceau de texte directement euh, dans votre set. Et là, je dis, je définis une variable fou qui va contenir ça. Ça peut servir. Je m'en suis pas servi encore. Mais ça peut servir. Alors vous pouvez faire pas mal de choses. Juste 7, ça sert à créer une variable dans votre template que vous allez pouvoir utiliser par la suite du template. Tout simplement. Voilà, donc ça, c'est des exemples de tags. Il euh, y en a plein d'autres. Je ne vais pas trop entrer dans les détails. On va en voir un ou deux autres euh, par la suite quand on verra des exemples. Comme le include peut permettre d'inclure un template dans un autre. Je vais vous retourner le cerveau tout de suite avec ce tag-là. Si jamais j'ouvre exemple mon show article, j'ai un extends ici et ensuite j'ai des blocs. Ça c'est quelque chose qui va beaucoup vous servir comme tag avec Twig parce que c'est un peu toute la puissance d'un moteur de template, c'est de pouvoir gérer de l'héritage. Donc l'héritage de template est un peu différent de l'héritage d'objet, moi j'aime bien le voir de la même manière, ça me simplifie un peu la conceptualisation. Donc là en fait, que dit mon show article.html.twig, il étend le template base.html.twig. Alors je vais l'ouvrir et je vais le garder à côté. On va regarder au fur et à mesure ce qu'il fait. Et là j'ai un template de base html.twig qui a ma base de HTML. Il y a pas mal de trucs dedans quand même. J'ai mes meta, j'ai mon title, j'ai ma favicon qui est celle par défaut de Symfony si jamais. Et ensuite j'ai d'autres blocs là-dedans. Mon body avec notre bloc body, ma fermeture de HTML et tout ça. L'intérêt de ce, de ce base HTML Twig, c'est qu'il va contenir toute la structure de base du HTML. Donc, par exemple, toutes, toutes, les, toutes les feuilles de style qui vont être communes, euh, le, une définition d'un premier titre, des métadonnées qui vont nous servir, etc. Et ce qui définit également ces blocs ici, c'est, on peut les voir comme des propriétés qui sont surchargeables. Voilà, donc là, par exemple, j'ai un bloc body. Et un bloc title, c'est les deux qui m'intéressent parce qu'ils sont surchargés ici. Ce que ça veut dire, c'est que quand j'affiche mon show article, ici, je vais lui dire bah, tu prends tout ce qu'il y a dans base html.twig et tu viens modifier le bloc title pour mettre autre chose. Voilà, donc là, à la place du de welcome, je vais avoir un super article. Important les points d'exclamation. Et pareil, à la place de body ici, à l'intérieur en tout cas de ce bloc là, là j'avais pas de contenu, mais peu importe. Au lieu de ne pas avoir de contenu, je vais avoir le mot coucou qui va apparaître. Pour le moment, croyez-moi sur parole, on voit après l'exemple pratique avec le côté euh, mise en place du bloc. Donc des tags, il y en a d'autres, et bien évidemment, vous les verrez au fur et à mesure que vous allez pratiquer. Euh, moi je vous parle juste de ces quatre là un enfin, 4-5, puisque les blocs et le extend, c'est deux blocs ces deux tags différents, mais ils sont intimement liés quand même. Le but de ces blocs en général, c'est de vous permettre de faire des calculs. Là, dans le cadre du extend et du bloc, vous pouvez aller un peu plus loin. Vous voyez que c'est à ça que ça un moteur de template principalement, pour construire vos templates, avoir des, potentiellement des couches de templates. Disons que par exemple, j'ai un espace d'administration. Il va potentiellement se baser sur le template base. Mais j'aurai peut-être un autre template, disons que je vais appeler base admin, HTML twig, au pif, euh, qui va euh, surcharger. Base, venir ajouter d'autres blocs et d'autres éléments de structure, des euh, potentiellement des feuilles de style, des JS, des choses comme ça, spécifiques à mon espace d'administration, mais commun à tout mon espace d'admin. Et après, les templates d'administration qui vont venir modifier d'autres éléments, euh, ajouter leur propre contenu, etc. Donc enfin, vous pouvez aller assez loin avec les tags. Mais dans tous les cas, ils servent à faire des calculs. Euh, ensuite, vous avez ces fameux filtres. Qui eux vont venir principalement modifier quelque chose qu'on veut afficher. En général, ils vont rendre du texte. En général, pas toujours. Par exemple, dans la doc de la boucle FORT, vous aviez Keys, qui prend un tableau en paramètres, et en résultat, qui vous renvoie les clés de ce tableau. Donc, si par exemple, j'avais un tableau euh, qui contient des utilisateurs, j'ai 10 utilisateurs différents, et à la place, il ne va pas me renvoyer mes 10 utilisateurs, je vais avoir. Cette expression, en tout cas, va me renvoyer euh, les différentes clés. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, ça peut être utile dans certains cas. Si je veux récupérer que les clés d'un tableau, je peux avec ça. Voilà, C'est un exemple de filtre. Je le trouve bien parce que je le trouve simple. Vous avez plein. Vous avez de quoi arrondir des nombres. Donc Round. Il vous permet d'arrondir. Si jamais vous ne lui passez pas de paramètres, il arrondit à l'entier le plus proche. Donc comme d'habitude, là j'ai euh, si jamais j'ai 42,5 il va arrondir à 43. Si j'ai 42,49, il va arrondir à 42. Voilà. Vous pouvez lui dire combien de nombres vous voulez à la virgule, après la virgule, pardon. Pourquoi il arrondit à 42,5 qu'on a passé un deuxième paramètre. Ce deuxième paramètre nous permet de dire avec quelle fonction je veux que tu arrondisses. Ce que par défaut il appelle la fonction round de PHP. Voilà, il appelle la fonction round. Mais vous pouvez lui dire Appel par round, appel floor, pour arrondir à l'inférieur systématiquement, vous avez Sale qui permet d'arrondir au-dessus. Par exemple, dans cet exemple-là, il mettra 43. Si jamais je mets 42,1, il mettra également 43. Si je dépasse 42, il va au-dessus. Voilà. Et l'autre, c'est pas round, c'est common. Ça veut dire simplement il va... Euh, quand j'arrive à 0,5. Il passe au cran au dessus Petit détail, vous avez un opérateur en twig, le double slash, qui vous permet euh, d'arrondir. Je m'en suis jamais servi parce que sinon je me mélange les pinceaux. Est-ce qu'il est dans la doc, l'opérateur double slash les opérateurs mathématiques. Il vous permet de diviser deux nombres et de retourner un nombre entier. Comme il dit, c'est juste du sucre syntaxique pour le filtre round. Voilà, donc euh, moi c'est pour ça que je m'en sers pas spécialement. Je préfère avoir un round bien clair, bien défini, plutôt qu'un double slash où j'ai un doute sur ce qu'il fait. Question de préférence, si vous vous aimez les écritures concises, vous comprenez bien ce que c'est, ou je n'ai pas. Voilà, donc les filtres en général vont transformer une valeur qui est à gauche de la barre verticale que je vais régulièrement appeler pipe et vont vous permettre de ressortir, euh, de faire un calcul dessus en tout cas, et de ressortir potentiellement autre chose. Euh, vous avez par exemple de quoi formater les dates alors j'appelle format date qui euh, gère l'internationalisation c'est-à-dire le multilingue votre site est en anglais vous voulez afficher les dates en anglais vous appelez avec format date vous avez directement de quoi afficher vos dates au format demandé en français par exemple là je pourrais mettre que on est le vendredi 11 août 2023 je pourrais afficher ça en mode français et si jamais euh, mon utilisateur il passe en anglais ça lui affichera au format anglais. Mais voilà, si vous voulez simplement formater vous-même votre date, vous avez un filtre date qui prend en paramètre le format comme en PHP classique qui vous permet de formater votre date. Vous lui passez plein de paramètres différents. Voilà. Les formatages de date, vous même vous savez, c'est pas toujours très simple. Voilà, donc il y a plein de filtres. Hein. Euh, voilà, je vous laisserai les parcourir. Ça, c'est ceux qui sont fournis avec Twig. Il y a déjà bien ce qu'il faut, et vous en avez en plus quelques-uns avec Symfony. Sont spécifiques à Symfony. Cela, euh, il y en a un dont on reparlera. Les autres, je m'en sers pas souvent, mais voilà, ils peuvent servir de temps en temps. Length, qui nous permet de savoir la longueur d'une chaîne de caractères ou d'un tableau. Combien d'éléments dans mon tableau ou quelle est la taille de ma chaîne de caractères. C'est assez pratique, je m'en sers beaucoup. Vous avez plein de choses. Hein. Vous, avez, vous avez lower qui vous permet de euh, mettre en minuscule du texte. Je vous ai parlé de upper tout à l'heure. Voilà. Les filtres. Leur but, c'est de transformer une valeur en une autre. En général, du même type, mais pas toujours. Donc, par exemple, vous avez join, vous avez, euh, je parlais de date, par exemple. Il prend un objet date time, il vous ressort une chaîne de caractères. Voilà. Donc vous avez pas mal de choses. Il euh, faut toujours regarder la doc pour savoir exactement ce que fait le filtre. C'est le plus sûr. Ça, c'est vraiment au cas par cas. Euh, et vous pouvez évidemment créer les vôtres, comme vous pouvez créer aussi vos propres tags et fonctions. Mais voilà, vous en avez pas mal qui vont vous être utiles et euh, qui peut faire pas mal de choses différentes. Ensuite, je voulais vous mentionner un petit peu les fonctions où vous en avez un. Et pareil, lesquelles sont vraiment utiles Je voulais vous montrer la fonction date qui est différente du filtre de date. La fonction date vous permet de créer une nouvelle date. Là où le filtre va formater une date. Pour ça, je dis que les filtres, ils servent à transformer. Voilà. Donc là, par exemple, elle va me permettre de créer une date, que ce soit euh, il y a deux jours ou à partir d'un objet dead time. Mais en tout cas, ça va me créer une date pour me permettre, par exemple, dans ce cas-là, de, de comparer les deux dates. La fonction dump, celle-là, je vais vous la vendre en long, large, en travers pendant que vous développez. Elle est quand même super pratique, elle vous permet d'afficher euh, le contenu d'une variable potentiellement ou de euh, plusieurs variables, d'un objet, de... peu importe. Vous lui passez un paramètre, elle va vous afficher ce que c'est de manière euh, à vous permettre de le parcourir, de chercher dedans, etc. Je l'aime beaucoup, la fonction dump. Et vous avez, vous avez la fonction include, dont je parlerai surtout dans les exemples, qui vous permet d'inclure dans un template un autre fichier. En général, on va inclure un template twig qui va aussi être interprété, etc. Voilà, donc je vais en revenir, je vais revenir dessus plus en détail un peu plus tard, surtout sur les exemples. Pour moi, c'est bien de visualiser son utilité. Mais voilà, elle permet d'inclure un autre template. Ça, c'est plutôt pratique. Et il y a d'autres fonctions, pareil on les verra surtout sur des exemples pratiques, comme asset, pass ou url, qui vont servir principalement pour Symfony. Asset va nous permettre d'aller chercher un fichier JS, une image, un... un CSS, dans notre dossier public. Là où pass et url vont construire... Un chemin ou une URL complète. Eh bien, URL, ça veut dire avec le HTTP, HTTPS normalement, double slash, tout ça. Alors que pass, c'est juste slash, le chemin euh, vers mon, mon élément. Donc ils vont pouvoir créer une URL ou un chemin à partir de, du nom d'une route. C'est pour ça que les noms de routes sont super importants. C'est que du coup, pass prend un nom de route, des éventuels paramètres pour construire un chemin qui va être euh, utilisable à cet endroit-là du site. Pareil, j'y reviendrai plutôt sous forme d'exemple pour le détailler un peu plus. Mais il est, les deux, enfin ces trois fonctions sont très utiles. URL on s'en sert surtout quand on veut euh, quand on a un template qui sert à afficher un mail par exemple. Ou bon, là on veut une URL complète avec le HTTPS et tout le tout team, le nom de domaine et tout. Donc la plupart du temps on va utiliser des paths, et des fois on va utiliser des URL quand on a vraiment besoin de tout le nom de domaine et tout. C'est plus rare. Et du coup, là, les derniers morceaux, mais pas des moindres, les tests et les opérateurs. Vous avez remarqué que déjà, on a un fort in, on a euh, des opérateurs qui ne sont pas exactement les mêmes. Je vous ai dit que le triple égal n'existait pas en twig, oui qu'il est marqué dans la doc. C'est juste pour nous appeler à aller voir le test same as, voilà, qui correspond vraiment au triple égal. Donc là, par exemple, ce qui se passe dans ce test ici, c'est qu'on regarde si euh, dans ma variable foo, si son attribut, si sa propriété, pardon, si sa propriété attribute vaut exactement False, si ça vaut 0, nul, un ou autre chose qui serait une valeur falsy, il entre pas là-dedans. C'est vraiment uniquement False. C'est vraiment un triple égal. Voilà. Donc le is as permet de vérifier, de faire un triple égal. Je préfère mon triple égal. J'ai plus l'habitude. Du coup, le is as à chaque fois que je dois m'en servir, ça me retourne un petit peu le crâne. Du coup, j'ai une fâcheuse tendance à faire des comparaisons non strict en twig. C'est pas bien, faites pas comme moi. Donc voilà, on va essayer de, pendant tout ce cours de se maintenir avec un is same as, au moins pour le pratiquer et parce que c'est quand même plus rigoureux. Ensuite, vous avez différents tests qui vont pouvoir être pratiques. Vous avez est-ce que ce nombre est divisible par un autre nombre Donc est-ce que je peux diviser ce nombre par un autre nombre et est-ce que ça me renvoie bien un nombre entier par exemple, 4 est divisible par 2, mais n'est pas divisible par 3. Voilà. Si jamais je divise 4 par 3, j'obtiens euh, 4 sur 3, ça fait 1,3333333, Ce n'est donc pas divisible. Voilà. Vous avez, est-ce que votre variable est, ou votre valeur est vide Est-ce que c'est un nombre, est-ce que c'est entier Est-ce que c'est even ou odd, je ne sais jamais lequel est pair ou impair Voilà. Je me mélange toujours en anglais. Mais voilà. Est-ce que c'est itérable En gros, est-ce que c'est un tableau ou un objet sur lequel je peux faire une boucle fort Est-ce que c'est nul Et il y a le fameux same as. Est-ce que c'est défini aussi Celui-là, il, il va vous être utile. Par exemple, vous avez des fois des variables que vous allez définir selon une condition. Et comme ça, vous pourrez regarder est-ce qu'elle est définie ou non, plutôt que de comparer sa valeur. En opérateur, vous avez le in. Je trouve très pratique. Il va regarder est-ce que cette valeur est dans le tableau qui suit. Ou la chaîne de caractères. Vous avez le is, je l'ai mentionné plusieurs fois. C'est euh, vraiment si jamais vous voulez appeler Hop. un des tests, vous allez l'appeler le is avant. En gros, vraiment, c'est le verbe être et le is en anglais tel qu'on le connaît. Est-ce que le ma variable status dans mon objet post est équivalent à cette constante que je suis allé chercher Vous pouvez mettre un is not aussi. Ça, c'est utile. Il le rappelle bien dans la doc. C'est euh... Est strictement équivalent à est-ce que non moi euh, à mon expression booléenne voilà moi j'aime mieux écrire sous cette forme-là is not quelque chose je trouve ça un peu plus clair à relire parce que je suis plus proche de l'anglais que je connais voilà donc vous avez plein d'opérateurs vous avez les opérateurs mathématiques de plus de moins de division de modulo donc la division avec l'arrondi vous avez la multiplication et il me semble que le double étoile c'est la puissance. Voilà, c'est ça. Donc là par exemple ils font 2 puissance 3, ce qui retourne 8. Vous avez les opérateurs logiques, qui ne sont pas les mêmes qu'en PHP, sinon ça serait simple. Vous avez end, or et NOT, dont j'ai déjà parlé. Vous avez également les parenthèses, pour de grouper une expression. Vous avez aussi les opérateurs binaires. Je pense que je ne m'en sers vraiment pas assez. Le et binaire, le ou exclusif binaire et le ou inclusif binaire. Voilà. Et après, vous avez d'autres opérateurs de comparaison. Double égal, différent comme en PHP pour le coup. Supérieur, inférieur, supérieur ou égal, inférieur ou égal. Et vous avez aussi des opérateurs plus rigolos comme starts with, ends with ou matches pour vérifier par rapport à une expression régulière. Lui, fait toujours peur. Et vous avez as every et as sum pour vérifier est-ce que toutes les valeurs sont au-dessus de 38 dans mon tableau. Là, il y a des valeurs qui sont également en dessous de 38. Donc le as, va me, le as every sur mon tableau va me retourner false. En gros, je lui passe une fonction fléchée pour lui dire, lui définir ma condition. Comment récupérer l'information de ma condition. Voilà pourquoi je ne m'en sers pas beaucoup. C'est déjà une gymnastique mentale. Et somme, c'est est-ce qu'il y a au moins un élément qui correspond à la condition qui est dans ma fonction fléchée. Donc là, en l'occurrence, est-ce que... J'ai des éléments qui sont strictement supérieurs à 38. Oui, j'ai 40 et 42, donc il va me retourner trop. Et vous avez d'autres opérateurs plus farfelus. Donc la barre verticale qui applique un filtre c'est un opérateur. Vous avez le point point qui crée une séquence à partir de ce qui est avant, ce qui est après, qui fait un équivalent de la fonction range. Voilà, vous en avez un qui est toujours un petit peu rigolo. Vous avez le, la petite vague qu'on appelle le tilde qui vous permet de fusionner deux chaînes de caractères c'est l'opérateur de concaténation, et euh, c'est l'équivalent du plus en javascript, du point en PHP, et maintenant vous avez le tilde en twig, voilà, qui va vous permettre de fusionner deux éléments. Vous savez plein de choses, plein d'opérateurs. Notez, voilà, ça c'est le truc que j'ai pas dit et qui est pour moi euh, un peu what the fuck, en tout cas la première fois que j'ai pris Twig en main, ça m'a retourné le crâne. Vous avez les tableaux qui contiennent des éléments euh, classés par nombre. Donc les clés vont être 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Où vous avez les tableaux associatifs qui s'écrivent d'une autre manière donc eux ils les appellent les hashes. Je du coup, je vais juste parler de tableaux associatifs en français. Ils sont euh, donc définis par des délimités par des accolades qui vont avoir une clé, deux points, une valeur. On se rapproche un peu du JSON. On est moins strict sur les quotes autour des clés. Donc vous avez d'autres opérateurs là, ils parlent de string interpolation qui vont vous permettre au sein d'une chaîne de caractères d'appeler par exemple une variable. Si vous ne voulez pas utiliser les petites vaguelettes, les tildes pour concaténer des chaînes de caractères, ça peut être pratique. Là, comme ça, je vais avoir fou le contenu de ma variable bar transformé en une chaîne de caractères. Espace base. Voilà, ça va me permettre de créer une chaîne de caractères et de la compléter avec une variable. Donc vraiment, ce qu'on appelle une interpolation de chaînes de caractères. Attention toutefois, tout ça, ça peut fonctionner que dans des doubles côtes, donc les, les guillemets doubles. En français. Donc il y a pas mal d'autres choses dont la possibilité d'enlever des espaces avant ou après un opérateur, enfin un tag ou un filtre, un tag ou, un, ou des moustaches. Voilà, vous avez différents moyens de le faire. voilà, Vous pouvez jouer avec, etc. Donc vous voyez qu'on a déjà beaucoup de choses et vous pouvez aller encore plus loin avec la possibilité d'échapper du texte, ou d'éviter que du texte soit échappé. Donc par défaut, quand vous avez du HTML dans une variable, donc là par exemple dans la propriété tout HTML, j'ai du HTML, je vais peut-être vouloir le... qu'il soit utilisé comme du HTML et pas échappé. Comme ça, vous allez lui dire Tu ne le prends pas, pour du... tu me le prends comme du HTML, tel qu'il est, je veux que ce soit interprété par le navigateur. Sinon, par défaut, il fait en sorte que ce soit pas interprété, et du coup, vous allez voir votre HTML à l'écran, euh, les chevrons, div, chevrons, avec euh, votre contenu à l'intérieur, etc. Le raw, il permet de dire. Interprète-le comme du HTML s'il te plaît Twig. Et vous avez de quoi échapper le HTML ou non. Euh, voilà, vous avez plein de trucs que vous pouvez faire. En général, retenez que par défaut, si jamais vous avez du HTML dans une variable, si jamais vous utilisez les moustaches pour l'afficher, le HTML ne va pas être interprété par le navigateur. Vous allez vous retrouver avec des caractères euh, spécifiques HTML pour montrer le caractère du chevron par exemple. Donc ils sont échappés, pour éviter que le HTML soit interprété. Dans Twig, vous avez également accès à certaines variables qui sont globales, c'est-à-dire qui sont définies dans tous les templates. Celle que vous allez retrouver dans Twig avec Symfony, c'est la variable app, qui contient plusieurs informations, notamment euh, l'utilisateur qui est connecté. Vous avez un objet pour le représenter, qui est souvent l'objet euh, que vous avez créé lié à votre base de données. On y reviendra un peu plus tard là-dessus. Vous pouvez accéder aux informations de l'utilisateur actuellement connecté. La requête qui a été faite. Donc, vraiment, la requête HTTP avec toutes les informations de l'URL, quelle route a été appelée, etc. Enfin, tout ce que vous voulez lié à la requête. Vous avez accès à la session. Évidemment, si vous avez accès à l'utilisateur, vous avez aussi accès à la session. C'est un peu plus complet que juste l'utilisateur. Et vous avez accès à des données comme des messages flash. Donc, les messages flash, qui sont aussi liés à la session, c'est des messages qui sont mis en session jusqu'à leur affichage. Donc, par exemple, c'est très pratique. Vous avez un formulaire comme un formulaire de contact vous le validez, vous chez un petit message à l'utilisateur quand la page a été... quand vous avez envoyé le formulaire, effectivement, potentiellement sur une autre page. Donc, par exemple, le truc classique, c'est que euh, je vais avoir un formulaire dans pas mal de cas où je suis sur une page et une fois que j'ai validé mon formulaire, je veux renvoyer vers la liste des éléments, la page d'accueil ou une autre page et par contre, je veux, l je veux envoyer l'information à l'utilisateur de... Ben, ça a bien été pris en compte. Voilà, éventuellement avec un lien pour modifier son ce qu'il a entré, des choses comme ça, mais... Et là, je lui mets un message en haut de l'écran, un petit message qu'on va appeler flash, qui apparaît que à ce chargement de page-là, et qui, une fois que je recommence à naviguer dans le site, disparaît. L'intérêt du message flash, c'est pour ça qu'il s'appelle flash, hein, il apparaît normalement qu'une fois, et dès qu'il a été affiché, il est enlevé de la session, et c'est bon. Et potentiellement, dans le cas que je viens de dire, je pourrais arriver sur une page qui n'affiche pas les messages flash. Et une fois que je retourne sur la page d'accueil, pouf, mon message flash apparaît. Voilà, ça peut être un peu perturbant euh, si vous n'avez pas pensé à ces messages dès le départ. Euh, ça peut vous poser quelques petits soucis. On verra dans l'exemple pour l'affichage des messages flash euh, et comment ça marche, etc. Mais c'est un truc qui est assez pratique, surtout lié au formulaire. Et vous pouvez créer des variables globales. Alors ça, je vous montre l'exemple tout de suite parce que ça peut être utile. Donc les variables globales, vous pouvez les créer directement dans Twig. Dans votre fichier de config twig, pardon, twig.yml, vous pouvez mettre un globals et par exemple avoir un, euh, je prends l'exemple de la doc honteusement, un exemple de, de Google Analytics, d'avoir votre code, je sais jamais quel format ça a. Euh, voilà. Vous pouvez avoir votre code de tracking Google Analytics directement en global dans votre twig. Et là, ça veut dire que dans n'importe quel template twig, vous avez accès à la variable gA underscore tracking. Vous permet de récupérer cette information-là. Voilà, je mets cet exemple-là parce qu'il est relativement classique. C'est un code qu'on veut transmettre un peu en général à toutes les vues. Moi, j'essaye d'éviter de rajouter des globales, à moins qu'il y ait vraiment un cas d'utilisation très utile. Donc, je l'ai mentionné précédemment, vous avez possibilité d'inclure un template dans un autre, entre autres avec la fonction include. Fonction qui existe aussi sous forme de tag. Vous avez accès aux deux. Euh, ce qui est conseillé par la documentation de Symfony, c'est d'utiliser plutôt la fonction. Voilà. Vous verrez le tag également, les deux existent. La syntaxe est légèrement différente, mais les deux font la même chose. Mais vous avez également la possibilité d'appeler de, de, la fonction render, qui permet d'appeler un autre contrôleur. D'appeler un contrôleur pour lui faire lui-même rendre son affichage et l'afficher à l'intérieur de votre template. Moi, le render, j'essaie de l'éviter quoi qu'il arrive, et plutôt utiliser un include ou euh, d'autres fonctions équivalentes. Cette fonction include, elle va vous permettre d'appeler un autre template et éventuellement de lui passer des paramètres. Il euh, y a différents cas d'utilisation, mais euh, ça peut être assez utile de lui transmettre un ensemble de variables et de ne pas lui donner les autres variables. Parce que par défaut, quand vous faites un include, vous appelez un autre template, toutes les variables qui sont définies dans le template qui fait l'appel sont également définies dans le template que vous appelez. Personnellement, j'aime bien garder une certaine séparation entre mes éléments et surtout passer que l'essentiel d'une vue à l'autre. Donc moi j'aime bien utiliser l'option withContext à false pour lui dire voilà tu as accès que ce que je te passe moi-même en paramètre. Question de préférence, il y en a beaucoup qui vont dire ça sert à rien de faire ça, etc. Moi je préfère, parce qu'au moins comme ça, tout ce dont tu as besoin est défini au moment de l'appel du include. J'ai pas de doute sur qu'est-ce qui est défini ou non. Point de détail, mais en tout cas sachez qu'il y a cette fonction template qui peut être assez utile. Euh, moi j'aime bien le tag pour une question. C'est bête parce que justement, vu que j'utilise beaucoup cette non-transmission de contexte, j'aime bien cette syntaxe là où j'inclus mon template, je lui dis avec ces valeurs là uniquement. Voilà, c'est principalement pour le only que j'aime bien cette, cette écriture. On va pas se mentir, c'est vraiment ma principale, mon principal intérêt avec le tag plutôt que la, la fonction. Comme la fonction est recommandée, je vais plutôt utiliser la fonction. Normalement la fonction, quel est son avantage Elle est un peu plus souple, parce que là elle vous retourne quelque chose que vous pouvez mettre dans une variable si vous préférez. Ce n'est pas le cas du tag. Le tag il affiche tel quel. Il ne vous laisse pas le choix. Et vous voyez qu'un tag qui affiche est un peu contradictoire avec ce que j'avais dit jusque-là. Normalement, il est censé faire un calcul. Donc voilà, c'est pas. Euh, il sort un petit peu de la logique classique. Du coup, ils l'ont mis en déprécié, principalement à cause de ça. Et la fonction, elle vous permet plus de petites euh, compositions, ils disent. Euh, par exemple, vous pouvez mettre ça dans une variable. De, vous pouvez le faire avec un set ici. Ou avec la fonction. C'est à peu près pareil. Mais voilà. Niveau logique. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup cet argument de euh, include. Vu que par défaut, le tag fait un affichage. Ça ne devrait pas être un tag. Ça devrait être une fonction qu'on appelle entre moustaches pour afficher quelque chose. Voilà. C'est une question... Pour moi, c'est le principal argument que j'entends, en tout cas. Il y en a peut-être d'autres, mais c'est celui que je préfère. Et le render, vous allez lui dire, euh, je vais appeler un autre contrôleur pour ramener le résultat. Comme je ne conseille pas de s'en servir, je vous dis juste que ça existe. Personnellement, je les évite. Vous pouvez aussi... Euh, embed. Alors, j'ai aucune idée de comment on le dit en français, mais en tout cas, définir des fragments que vous allez pouvoir appeler dans d'autres, dans d'autres templates. Tac, tac, tac. Voilà. Ou là, par exemple, je vais appeler un render sur ma route la test articles avec mon super bon onglet, avec un paramètre en plus, peu Et il va appeler le contrôleur qui correspond, m'afficher les éléments. Donc, c'est ce que fait ce recent articles ici. Il n'y a pas la définition de la route, mais elle y est. Voilà. Et du coup, il va aller chercher les articles récents, faire l'affichage à partir de ça. Et euh, du coup, vous allez pouvoir l'avoir dans votre, dans votre route vue. Voilà, vous avez plusieurs moyens de l'appeler. Vous faites un render avec un pass vous faites render et appel à la fonction contrôleur pour aller chercher l'action de contrôleur qui vous intéresse. Les render contrôleurs, on en voit plein. Personnellement, ça me retourne le crâne à chaque fois. Je préfère utiliser des compositions plus simples à base de Twig. Mais si jamais j'avais des requêtes à faire dans un contrôleur, etc., ça pourrait être une vraie question. Là, en général, moi, ce que je fais, c'est qu'au niveau de mon contrôleur, je prépare tous les éléments pour afficher ma vue. Donc, on n'est pas, on est d'accord ou pas avec ça. C'est vraiment une question de, de point de vue très personnel pour le coup. C'est pas une absolue vérité. Je donne que mon point de vue. Dernier point avant de passer à de la pratique, je vais les appeler les extensions dans la théorie parce que ça sera bien à voir en pratique. Euh, débugger un, pour débugger un template, vous avez plusieurs commandes qui sont disponibles. Vous avez le bin console linked de point .twig qui va vérifier si vos fichiers twig sont valides. Par exemple, ça vérifie si vos ifs sont bien fermés, ce genre de choses. Si à la fin, vous avez bien un template valide. Et le debug de point .twig qui va permettre encore d'autres choses. Vérifier des chemins, des choses comme ça. Et surtout, moi ce que j'utilise énormément, c'est la fonction dump ou le filtre, ou le tag dump. Pardon. La différence entre les deux, c'est que dump, dans des moustaches, il va directement nous afficher le contenu là où on se trouve, donc potentiellement il va péter complètement l'affichage, et nous mettre le bloc de dump pour nous montrer ce qu'il qu a à nous montrer. Là où le tag dump nous permet euh, d'envoyer de, ça dans le profiler de Symfony. Ce qui peut être très pratique justement pour pas complètement casser l'affichage et avoir bien la place de lire le contenu du dump. Voilà, les deux ont leur utilité, moi j'utilise un peu les deux selon les moments comme ça vient. 90% du temps j'utilise quand même la, la, dans les moustaches, mais ça c'est un autre problème. Voilà, maintenant on va essayer de mettre tout ça en pratique, vous allez voir qu'on a vu beaucoup de choses. Bonjour tout le monde, c'est le Rémi du Montage. Et pour vous dire que cette vidéo va être coupée en deux morceaux qui vont sortir en même temps... Euh, le but, c'est que cette partie théorique que vous venez de voir, porte, elle est déjà suffisamment longue et suffisamment euh, complexe. Et euh, la deuxième partie sur euh, le, la pratique est à peu près aussi longue. Donc, le but, c'est de faire deux plus petites vidéos, ce qui pourra permettre aussi euh, aux personnes qui, qui préfèrent voir que de la pratique de passer d'une vidéo à l'autre plus facilement. Voilà, comme ça, euh, je réorganise un petit peu la playlist en cours de route. Ça va me permettre d'avoir un peu plus de souplesse de ce côté. Voilà, donc du coup je vous dis à la prochaine vidéo et à très vite. Salut